Salut à tous. Alors, je fais, c'est pas une FAQ, mais je refais une vidéo pour expliquer ce qui va se passer sur la chaîne. À la fois pour un peu tester mon nouveau matos, parce que vous remarquez que là, il y a des petits trucs qui changent, hein. Je me suis commandé du nouveau matériel, parce que tout simplement, celui que j'avais, il a pété. Donc, ça devenait beaucoup plus compliqué pour tourner. Donc, voilà, et pour mon anniversaire, figurez-vous que j'ai toute une flopée d'amis qui sont cotisés pour que je puisse m'acheter du nouveau matériel. Donc, j'ai pu m'acheter un nouveau micro, 4 nouvelles lampes et un foutu fond vert. J'ai un fond vert, vous êtes pas prêts pour moi avec un fond vert. Donc, là, je suis plutôt enjaillé, j'ai très très envie de tester tout ça. Alors, pour la chaîne, pour le moment, donc, au début, je vous avais dit qu'il y allait avoir des vidéos de grammaire, mais en fait, non. Je les ai mises en non répertorié et je vais mettre en non répertorié celle qui est là pour le moment, tout simplement parce que, après réflexion, je trouve que ça a rien à foutre là. Au pire, je créerai une chaîne secondaire pour publier mes vidéos de grammaire. Donc, ça, c'est à voir, mais en tout cas, je vais pas les laisser là. Sinon, pour la chaîne, là, j'ai plusieurs idées. Avec le fond vert, ça va me permettre de faire pas mal de trucs nouveaux et de probablement gagner en qualité, notamment sur la lumière. Mon nouveau micro va me permettre, si j'arrive à l'apprivoiser, de justement gagner en qualité sonore. Il faut juste que je réussisse à le régler. Le son, c'est pas mon fort. La lumière, non. Y a pas grand chose qui est mon fort en fait en montage. Je commence à me débrouiller un petit peu avec tout ce qui est effets spéciaux. Je sais même pas ce que ça pourrait donner en fait si je fais. Donc ouais, dernièrement, je me suis mis à chipoter un petit peu avec Adobe After Effects, donc je me suis mis au VFX. Je sais pas si je vais vous mettre des extraits ou pas. Comment t'es arrivé là, toi? Pas mal de trucs sur ma chaîne TikTok que j'ai pas pu vraiment alimenter non plus parce que j'avais pas le temps avec en fait dernièrement avec tout le contexte du confinement ça a été très compliqué c'est-à-dire que j'étudie la traduction de jeux vidéo et au sein de la section allemand je suis un peu devenu le IT guy en fait et donc j'ai dû faire pas mal de trucs pour soutenir les collègues au niveau technique en fait tout simplement il y a mes chats qui courent partout arrêtez tu fais chier qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que tu fais hein c'est quoi ton problème voilà maintenant j'ai un fond vert j'ai un nouveau micro j'ai plein de lampes. Je sais pas si je les utilise encore bien. Normalement, je dirais que oui. Je les ai mis en mode backlight pour. Mais j'ai pas beaucoup de place dans mon appartement. Si on voit mon ombre, ça veut dire qu'il va falloir que je recule la caméra et que je fasse. Que je me débarrasse de mes chats! Arrête! Putain! Tu m'en fous! Arrête, mais qu'est-ce que tu fais? Non! Oh pitié! Tu. Arrête tes conneries! S'il te plaît, il est en train de grimper sur tous mes meubles! Un peu plus. Dans les projets de vidéos, donc j'ai plusieurs thèmes qui vont venir. Je vais continuer les vidéos sur ma recherche, bien sûr. Je vais faire probablement des vidéos sur les recherches de mes collègues, parce qu'il y a pas mal de trucs, et je suis en train de lire leur thèse pour le moment, et c'est particulièrement intéressant, il y a vraiment de la matière pour faire des vidéos là-dessus, et je vais probablement les inviter dessus. J'ai aussi une vidéo featuring avec quelqu'un d'autre qui se prépare pour le moment. Ce sera pas sur ma chaîne, ça par contre, ce sera sur sa chaîne, mais de toute façon, je vous en parlerai. Et celle-là, ça va être du lourd. Ça fait franchement plus d'un mois qu'on bosse sur l'écriture de la vidéo. Elle va être bien. Enfin, j'espère en tout cas, mais d'après ce que... Enfin, ça va être bien, ça va être bien. Et voilà, en fait, c'était un peu ce que je voulais dire. Et vous donner un peu des nouvelles parce que ma chaîne avait l'air morte, du coup. Mais elle l'est pas. C'est juste que sans matériel et en confinement, c'était pas possible de racheter du matériel, malheureusement. J'ai essayé d'acheter aussi une webcam pour parce que parfois je stream. Et voilà, donc du coup, c'est une vidéo pour vous donner un peu des nouvelles. On va avancer, on va voir comment ça va avancer au fur et à mesure. Et avec mon nouveau matos, normalement, je vais pouvoir faire de nouveaux trucs. Et j'ai déjà écrit plusieurs vidéos. Il va falloir les tourner, les monter. Ça me prend toujours beaucoup de temps pour les monter, donc genre des heures. Surtout que là, je peux pas me contrôler, en fait. Je peux pas me dire, oh, je vais tourner une vidéo chill, machin. Non, à chaque fois, je me dis, oh tiens, et si j'essayais de me mettre une boule de feu derrière l'oreille, ça va être trop bien. Non, je peux pas me contrôler. Dernièrement, j'ai fait des vidéos pour l'anniversaire d'un collègue et pour aussi la remise de thèse d'un collègue. Et j'ai pas pu m'empêcher d'essayer de mettre des VFX dedans. Et surtout maintenant que j'ai mon nouveau matos, ça va filer droit. À la prochaine. J'ai perdu mes lunettes. Et c'est un problème parce que pour... Ah non, j'ai retrouvé les lunettes. Ah, la sœur, qu'est-ce que tu fais? T'es chiant, hein, quand même. I'm out.